Inter. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis François Morel et je vais vous parler d'un Père Noël qui a pris des bonnes résolutions. Le Père Noël était embêté. Comme tous les matins depuis le début de l'automne, il regardait par la fenêtre, levait les yeux vers le ciel, et comme tous les matins depuis la fin de l'été, il était déçu. Pas un flocon de neige. Le soleil brillait, les vallons étaient verts. En bas, coulait une rivière joyeuse, légère, insouciante. On entendait les oiseaux. Non, mais je ne vous mens pas, on entend les oiseaux. Le Père Noël était maussade. La neige avait décidé de ne pas tomber. D'habitude, à cette période, tout était blanc. Les prés, les arbres, les chemins, les toits des maisons, les cheveux. D'habitude, en cette saison, on avait déjà sorti les manteaux, les gants, les moufles, les écharpes et les caleçons longs. Ce jour-là, alors que le calendrier indiquait sans discussion possible qu'on était déjà en hiver, c'était incroyable. Le Père Noël, dans son chalet, se promenait en short, t-shirt et tongs. Je ne vous mens pas, on entend ces tongs. Sa houppelande rouge, bien trop chaude, était restée dans l'armoire. Passant devant le miroir de la salle de bain, le Père Noël se demandait s'il n'allait pas se raser la barbe. « Ça serait une bonne idée, ça me rajeunirait, puis j'aurais moins chaud. »« N'importe quoi !» s'exclama la mère Noël. « Tu ne peux pas faire ça. La barbe, c'est ta signature, c'est ta marque de fabrique. Si tu coupes ta barbe, tu auras bonne mine. Plus aucun enfant ne te reconnaîtra sur la planète. J'ai autant dire que en fait, tu seras joli. » Le Père Noël maugréa quelques paroles renfrognées que personne n'entendit, et ça tombait bien puisque parmi ces paroles, quelques gros mots s'étaient glissés. « Moi, je n'ai rien à foutre, de toute façon, Le Père Noël, de mauvaise grâce, dut bien convenir qu'une fois de plus, la Mère Noël n'avait pas complètement tort. Un Père Noël sans barbe, c'est Paris sans la Tour Eiffel, c'est un carambar sans blague, c'est... Enfin, il y a d'autres exemples, vous trouverez. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de sens. La Mère Noël saisit une serviette de bain, enfila ses lunettes de soleil et son maillot de bain. « Je vais me baigner, tu viens avec moi ?» « Non, répondit le Père Noël, j'ai affaire. »« Bon, comme tu veux, fit la Mère Noël, mais tu as tort. Le soleil est radieux et puis ça ne te ferait pas de mal un petit peu d'exercice. T'as pris des bourrelets, t'as du ventre, faut que tu sois en forme pour le réveillon. » Elle claqua la porte et le Père Noël resta seul dans le chalet. Dehors, les reines batifolaient. Les reines étaient au nombre de 8. Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Fringant, Furie, Tonnerre et Tornade. Et c'est Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Fringant, Furie, Tonnerre et Tornade qui, la nuit de Noël, entraînait le chariot du Père Noël dans le ciel quand il faisait la distribution des cadeaux. Pour le moment, les reines s'amusaient entre eux, jouant de leur bois, d'autres paissaient tranquillement, d'autres encore, le poil couvert de crème solaire, couchés sur le sol, se prélassaient paresseusement. Le Père Noël sortit du chalet et convoqua les reines. Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Fringant, Furie, Tonnerre, Tornade, approchez, j'ai à vous parler. Entre parenthèses, notez l'extrême délicatesse du Père Noël qui, lorsqu'il s'adressait à son troupeau, utilisait toujours l'ordre alphabétique afin qu'aucun d'entre eux ne se sente défavorisé. Les reines approchèrent, légèrement méfiants. Généralement, quand le Père Noël les convoquait, c'est qu'il avait des reproches à leur faire. Qu'est-ce qui se passe, Père Noël ? Interrogea Tonnerre. On n'a rien fait de mal, se défendit Tornade. Oh, on a quand même bien le droit de s'amuser, ou quand même, fit valoir Comète. Mais bien sûr, répondit le Père Noël. Ne vous inquiétez pas si je vous réunis ce matin, ce n'est pas pour vous faire des reproches.
tant mieux !» s'exclama Éclair. On était en train de s'amuser avec Fringant à essayer de se faire tomber. « Ah oui !» confirma Fringant. « C'est un jeu très 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 amusant. C'est-à-dire, le principe, j'ai lu les règles, c'est pour ça que je peux les expliquer. C'est-à-dire qu'on se met l'un face à l'autre, reine, comme ça. On se met l'un face avec les bois, comme ça. Et puis on se pousse. Et puis alors, on se pousse jusqu'à ce qu'il y en a un qui tombe. Alors, quand il y en a un qui tombe, l'autre y a gagné. Non, pardon, mais j'aimerais bien que vous me consacriez un peu de temps. J'ai à vous parler une déclaration solennelle, l'heure est grave. De quoi s'agit-il ? Demanda Danseur. Eh bien, voilà, répondit le Père Noël. Vous avez remarqué que les températures sont au-dessus des normales saisonnières. Ça veut dire quoi ? Demanda Fury. Ça veut dire qu'il fait trop chaud, expliqua Cupidon, qui jamais ne ratait aucun bulletin météo de Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre Planchon, ce matin, il fait extrêmement doux. Oui, dans certaines régions, Mathilde, on se croirait même au mois de juin ou dans une fin d'été, comme à Paris, vers Saint-Quentin, où il fait plus de 14 degrés, battant le record de 1989, qui était de 12 degrés. À Lille, il fait 13, battant le record du 17 décembre 2015. Il enregistrait tous les bulletins météo de Marie-Pierre Planchon. Et le soir, avant de s'endormir, il les écoutait. Ah, Marie-Pierre. Il fait trop chaud, exactement, confirma le Père Noël. Regardez autour de vous, il devrait neiger et il ne neige pas. On devrait faire du feu dans la cheminée et au lieu de ça, on dort sans pyjama et les fenêtres ouvertes. Ce n'est pas normal. Cupidon prit à nouveau la parole. C'est à cause du réchauffement climatique. On consomme trop de tout, si bien que les glaciers fondent et que les ours, ils ont du souci à se faire. C'est vrai, acquiesça le Père Noël. Cupidon a raison. C'est pourquoi j'ai décidé qu'ici, nous devons donner l'exemple. J'ai donc pris un certain nombre de décisions que je veux vous soumettre. Les reines, Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Fringant, Furie, Tonnerre, étaient captivés. Le Père Noël poursuivit. Je propose que la nuit de Noël, nous n'empruntions aucune voiture motorisée, aucun avion, aucun hélicoptère afin d'assurer la livraison des cadeaux. Ouais, très bien, très bien. Très bien. Oh, bah oui, super, ouais, bah ça c'est une bonne idée. Ah oui, formidable, bah oui. Moi j'y avais pensé d'ailleurs. Mais... acquiescèrent les huit reines en chœur. J'ai décidé que nous n'allions rouler ni au diesel, ni à l'essence, mais grâce à votre seule force motrice, animale et physique. Parfait, excellent. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ah bah oui, ça. Oh ouais, super, ouais, top, top. Oh oui, je l'ai liké, moi. Immédiatement, je le like. Oh ouais, trop fort. Ah ouais. Oh, super, oui. Approuvèrent les huit reines comme un seul homme. Ce voyage sera parfaitement écologique. Le bilan carbone sera nul. Aucune émission de gaz à effet de serre ne pourra nous être reprochée. Nous allons traverser les continents dans le ciel étoilé de la façon la moins polluante qui soit. Formidable, génial, vive le Père Noël. Ouais, le Père Noël, président, ouais, trop fort, président, ouais. Oh, c'est qui frôme, Père Noël. Ouais, super. S'enthousiasmèrent les huit reines, tous parfaitement emballés par le discours du Père Noël. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis heureux que mes dispositions aient reçu votre assentiment avec autant de chaleur. Les reines retournèrent tranquillement vers leurs joyeuses occupations quand Cupidon se retourna. Mais, oui, dites-moi, Père Noël, vous voulez-vous demander... Excusez-moi de vous déranger, mais en fait, par rapport aux années précédentes, en fait, ça change rien. Non, parce que toujours vous vous êtes déplacé sur votre traîneau qui n'a jamais été motorisé, puisque ce sont toujours mes copains et moi qui l'avons traîné depuis le début, si vous vous souvenez bien. En effet, convainc le Père Noël. Donc, parce que ce que je voulais dire, c'est que finalement, par rapport à l'année précédente et à celle juste avant et à toutes celles qui l'ont précédée, en fait, on fait comme d'habitude. C'est ça,
Oui, oui, c'est ça, en effet. Oui, oui, on ne change rien. On fait tout pareil, voilà. Cupidon espéra que, partout sur la Terre, d'autres humains allaient prendre d'aussi bonnes résolutions que celles du Père Noël, mais de façon plus efficace. Eh bien, maintenant l'histoire est finie, et il est temps de se mettre au lit. Ah oui, il est tard déjà. Oui, allez, on ferme les écoutilles. Non, 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 vous écouterez Marie-Pierre Planchon demain. Là, il est temps de fermer la lumière. Bonne nuit. Non, une autre. Oui.